Bonsoir à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste, romancière et chanteuse. Je veux m'adresser aux intellectuels camerounais. J'ai un mot important à vous dire. Allez me réveiller le professeur Bayebek et le professeur Msanga Yamding et le club d'élite de Vision 4. Je crois que c'est... Je commence à l'avoir marre. Vous vous adressez aux femmes dans un langage ordurier. Vous avez vos épouses, vous avez vos enfants. Et ce sont les enfants d'autrui que vous appelez des influenceuses de sexe. Vous me connaissez tous au Cameroun. Il n'y a personne qui dira qu'il ne connaît pas qui est Aline Zomobem. Vous me classez dans le titre d'influenceuse du sexe. Venez m'écouter ce soir. Je vais vous dire ce que je pense exactement de vous. Allez m'appeler tous ces cons. C'est qui que vous appelez influenceuse du sexe? Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. J'ai déjà fait mes preuves dans le monde de la culture. J'ai déjà fait mes preuves au Cameroun. Vous me connaissez tous. Vous connaissez qui est mon géniteur. Parce que mon père n'est pas en vie. Vous insultez sa fille, influenceuse du sexe. Professeur Bayebek, viens, amène tes couilles ici. Je vais te parler ce soir. J'appelle le professeur Yamding, avec tes yeux qui marchent dans la tête comme le circuit de Dakar, viens m'écouter ce soir. Vous vous prenez pour qui? Vous ne respectez pas la femme? Vous appelez qui influenceuse du sexe? Vous m'avez vu avec les jeunes femmes que j'ai accompagnées au Cameroun. Si elles n'ont pas de CV, moi j'ai un CV moi. Vous ne pouvez pas me classer comme influenceuse du sexe? Respectons-nous. Si vous respectez vos femmes, respectez les femmes d'autrui. Les putes que vous avez chez vous, ce sont des femmes. Les bordels que vous avez épousés, ce sont des femmes. Le Cameroun qui se détériore, ce sont les influenceuses qui ont fait ça. Un pays où il n'y a que l'escroquerie, le détournement, ce sont les influenceuses du sexe qui ont fait ça. Vous appelez qui influenceuse du sexe? Vous appelez qui influenceuse du sexe? Auteur de 6 romans, 23 nouvelles, j'ai été au Salon du Livre, j'ai été au Festival Mondial des Arts Nègres au Sénégal. Vous venez m'appeler que je suis influenceuse du sexe. Le Cameroun marche avec les pieds ou quoi? Ça ne va plus. Tout ce que vous faites au Cameroun, je suis et au courant de tout. Ce sont les influenceuses qui font ça. Ce sont les influenceuses qui détruisent le Cameroun. La guerre de l'Ambazonie, ce sont les influenceuses. Mais il faut quand même qu'on soit sérieux à un moment. Vous rejetez tous les influenceuses. Vous avez vos filles qui couchent déjà avec les hommes. Vos femmes même vous trompent avec les hommes. Vous êtes des hommes cocus. Vous appelez les qui influenceuses du sexe. C'est pour ça que j'ai décidé de dire que la terre est sale. Vous analysez tout ce que j'ai dit. Je suis une intellectuelle émancipée. La terre est sale. Quand on va des intellectuels comme vous aller à la dérive et dire tout et n'importe quoi à des femmes, vous ne respectez pas la femme. La femme vous sert à quoi? À faire des enfants uniquement? Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas le respect. Bayebek, avec tes oreilles comme la lapra, tu insultes qui? Tu insultes qui? Tu peux me parler si tu me croises, Bayebek. Un enculé comme toi, tu peux m'insulter si tu me croises. Je ne parle même pas alors de Msanga Yamding. Ses yeux qui marchent dans la tête comme le circuit Paris-Dakar. Tu es quoi? Tu es qui? Vous insultez les femmes? Vous ne pouvez pas respecter la femme? Vous insultez seulement les femmes qui couchent avec vous? Le respect, il est où? L'école que vous avez fait où? Parce que mon père est déjà mort. Vous insultez sa fille? Si mon père était en fille, vous aurez pu le dire. Vous auriez pu m'insulter si mon père était en vie. Vous ne respectez pas les enfants d'autrui. Vous ne connaissez pas qui est mon père. Mon père n'a pas servi le Cameroun. Il a usé tous ses pantalons au Cameroun. Et c'est sa fille que vous insultez, influenceuse du sexe. Vous êtes dans les complots, vous êtes dans les téléphones. Vous appelez par-ci, par-là pour m'humilier. Je vous ai fait quoi? Je n'ai pas rendu le Cameroun fier. Auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Partout où je vais, je parle du Cameroun, je valorise le Cameroun. Vous appelez qui influenceuse du sexe? Je ne parle même pas alors des petits moribonds de Vision 4, ces couillons, ces trous du cul, ceux qui font l'émission Club d'élite.
des avortons, des trous percés. Vous n'avez que le derrière percé. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? C'est pas possible. Donc, quand mon père est mort, n'importe qui va me parler. Tous les efforts que je fais, vous banalisez ça. Vous m'appelez influenceuse du sexe. Bayebek, ta fille va à l'école. Ta fille à mon niveau scolaire. Mesangaï Amdin, ta fille à mon niveau. Vous insultez les enfants de qui? Vous allez vous asseoir pour insulter les enfants de Zomobem. Vous insultez la fille de Zomobem. Si les autres n'ont pas de parents, ce n'est pas mon problème. Je vous parle de moi. Vous ne pouvez pas me respecter. Si je suis dans une expédition, vous ne pouvez pas respecter cette expédition-là. Échanger de langage, vous êtes des machos, des trous du cul comme vous. Vous êtes des machos. C'est tout le monde qui s'assoit pour parler d'Aline Zomobem. Vous ignorez qui je suis. Equinox, les influenceurs du sexe. Canal de, des influenceurs, des trous du cul avec le cul ouvert comme le boulevard de Ndokoti. Vous insultez l'enfant de qui? Asabouam, la terre est sale. J'étais obligée de créer cette expression, la terre est sale. Parce que quand je pense à mon père, vous aurez pu me parler si mon père était en vie. Vous aurez pu me parler si mon père était en vie. Vos enfants ressemblent à quoi? Vos épouses ressemblent à quoi? Vous êtes des hommes cocus. Vous ne pouvez pas parler à vos épouses. Vous venez parler à l'enfant d'autrui. Vous ne pouvez pas me respecter. Depuis que vous faites les partout au Cameroun, vous m'avez vu. C'est moi qui ai causé tous les détournements qu'il y a au Cameroun. Vous appelez qui influenceuse du sexe? Vous appelez qui influenceuse du sexe? Donc une intellectuelle comme moi, on va effacer mon CV et m'appeler maintenant influenceuse du sexe? Mais le Cameroun va à l'envers. Soyons quand même sérieux. Je me fais accompagner par des jeunes filles et vous me mélangez à elles? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous avez mis votre honneur où? Donc vous, chez vous, dès que tu es intellectuel, tu ne peux pas tendre la main à ta soeur, tu ne peux pas tendre la main à ton frère. Vous marchez avec les PD là-bas au Cameroun, non? N'est-ce pas vous là? Vous faites les plateaux de télévision, vous connaissez qui est PD et qui ne l'est pas. Vous ne marchez pas avec eux. Vous les appelez influenceuses du sexe, c'est sur quelle barre? C'est sur quelle base que vous les appelez influenceuses du sexe? Vous n'avez pas vos soeurs qui couchent avec les hommes aller-retour, qui font la bordellerie à Yaoundé, à Douala? Il n'y a pas les bordels dans vos familles? Il n'y a pas les bordels dans vos familles? Bayemi, nga bayemek, il n'y a pas de bordels dans ta famille? Tes soeurs ne sont pas des bordels? Tu viens insulter qui influenceuses du sexe? Vous parlez le français à bracadabra? Vous croyez qu'on ne comprend pas le français? Vous faites ça avec qui? C'est à Aline Zomo que vous allez vous asseoir sur vos couilles ramollies pour parler des influenceuses du sexe. Les avortons de Vision 4, les moribonds de Vision 4 qui font l'émission Vision d'élite, c'est Vision d'élite, c'est le club d'élite. Vous appelez qui influenceuse du sexe? Vous n'avez pas vu que j'étais dans l'expédition? Vous ne pouvez pas me respecter? Vous ignorez mon statut, vous ignorez qui je suis. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas fait mes preuves comme intellectuel. Vous allez respecter les gens quand il y aura quoi? Ce sont vos femmes que vous respectez et les soeurs d'autrui, vous ne pouvez pas les respecter. C'est sur quelle base que vous m'insultez? Je parie que si je n'étais pas dans ce groupe, vous n'aurez pas fait autant de chahut. Vous commentez, c'est parce que vous me voyez dans le groupe. Vous ignorez qui je suis. Vous ignorez qui je suis. Vous ignorez qui je suis. Si mon père était vivant, vous allez me parler sur ce ton. Vous croyez que j'ai peur de vous? Des enculés comme vous, vous croyez que j'ai peur de vous? Bayemi, nga bayebek, tu vas t'asseoir, tu commences à détailler que la terre est sale. Mais tu as eu tes diplômes quand un dimanche? Tu as eu les diplômes le dimanche? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Même le bois bandé, vous ne couillez plus, vous ne couchez plus. Les hommes camerounais, vous n'êtes plus des virils. Vous n'êtes plus des hommes virils. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
dans l'expression de Bois Bandé. Je suis une humoriste reconnue mondialement. Quand je fais de l'humour, vous dramatisez ça. Vos têtes là, c'est quoi? C'est du pipi qu'il y a là-dedans, du pipi de chat. Mais je suis déçu, hein. Il n'y a plus d'intellectuels au Cameroun. On s'amuse, on rigole, vous êtes coincés. Ou bien quand vous vivez dans le détournement, vous ne blaguez plus. Vous ne savez plus blaguer. Je parle du Bois Bandé, vous ne couchez pas. Avec vos petits pénis morts là, vous ne voulez pas relever ça. Vous venez parler de qui? J'ai dit qu'il faut le Bois Bandé. C'était de l'humour. Je dois encore vous expliquer ça. Le temps que ça monte au cerveau, les couillons vont s'asseoir à vision d'élite et parler. Vous adressez à qui? Ça ne va pas. Mais le Cameroun va à l'envers. Vous avez vu comment votre canne est déjà morte. Vous ne voulez même pas valoriser votre pays. Vous n'allez pas dans les stades parce que vous allez dans les télévisions commenter sur les influences, les influenceuses. Ce sont les influenceuses qui ont détruit le Cameroun. La guerre du Nozo, ce sont les influenceuses. Tous les détournements, ce sont les influenceuses. Mais je suis choquée. Je connais le Cameroun comme un pays qui a plein d'intellectuels, qui ont de l'humour, qui savent rigoler. Maintenant, je vous vois, vous êtes coincés dans vos petites couilles. Vous ne voulez même pas vous épanouir parce que vous avez beaucoup escroqué. Vous avez peur de l'épervier. Tout le monde panique. Vous n'arrivez pas à rigoler. Vous êtes toujours aux aguets. Elle a dit la terre est sale. Bayebek, tu commentes la terre est sale. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu as eu tes diplômes un dimanche. Le français, là, te dépasse. Qu'est-ce qu'on doit vous expliquer au Cameroun à ce point? Si vos bonnes femmes sont mal bâties, mal tordues, j'ai le droit de mettre le maillot. Je le mettrai toujours. Je mets le maillot de bain à toute heure voulue. Je ne demande rien au Camerounais. J'ai mes papiers, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Vous êtes les qui? Vous m'associez à l'influence du sexe? Où est parti le respect? Hein? C'est normal ça? Un pays d'intellectuels, vous ne savez pas rigoler. Vous avez pourtant fait vos études dans le monde entier. Vous étiez là-bas, vous étiez des étudiants. C'est comme ça que ça se passait chez vous. Vous étiez coincés, vous n'arrivez pas à rire. Vous avez peur, vous avez déjà escroqué. L'épervier va vous attraper. Vous ne pouvez plus jubiler. Vous allez dans la télévision commenter sur les influenceuses. Je suis là. Vous mettez mon nom dans les influenceuses du sexe. Depuis qu'on fait les partous au Cameroun, vous m'avez vu? Depuis que vous couchez avec les femmes au Cameroun, vous m'avez vu? Vous m'appelez influenceuse du sexe, c'est sur quelle base? Qui vous donne l'autorisation de me manquer de respect? Parce que mon père est mort. Vous insultez les enfants d'autrui. Vos filles ne sont pas des prostituées. Vos femmes ne sont pas des prostituées. Des sales bordels que vous avez épousés. Je voulais vous dire ce que je pense. Je ne suis pas contente de vous. Je ne suis pas contente des Camerounais. Il y a un peu d'amalgame dans votre façon de faire. Si vous avez eu les diplômes du dimanche, un intellectuel sait rigoler, il a de l'humour. Il n'est pas coincé du cul. Comme vos culs sont coincés, c'est comme ça que vos bites sont ramollies. Vous n'avez pas honte. Les Camerounais qui étaient des intellectuels. Un Camerounais, tu le croises, tu es fier, vous allez discuter, vous allez en débattre, vous rentrez chacun souriant. Maintenant, vous êtes coincé du cul. Vous êtes coincé du cul. De la bite, vous êtes coincé. Vous n'arrivez pas à rigoler. Toutes les guerres qui se passent au Cameroun, ce sont les influenceuses qui ont fait ça. Vous remettez tout aux influenceuses. C'est normal, ça? J'ai tendu la main à deux petites sœurs. Vous n'avez pas de famille? Il n'y a pas les prostituées dans vos familles. Vos soeurs ne sont pas des prostituées. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. Vous ne savez pas tendre la main. Même si tu es qui, tu peux croiser quelqu'un qui a besoin de visibilité, qui a besoin de s'épanouir pour lui donner un peu de sourire. Vous ne savez pas le faire. La terre est sale. Quand tu vois des intellectuels aller s'asseoir et parler de moi, alors que j'ai aussi un CV percutant, auteur de 6 romans, 23 nouvelles. J'ai été au Salon du Livre à Paris en 2013. J'étais au Festival Mondial des Arts Nègres en 2010. Vous allez me classer comme une influenceuse du sexe?
Ça manque de sérieux. Des avortons comme vous. Des fils de pute comme vous. Vos mamans n'étaient pas des putes. Jusqu'à la quatrième génération, vous venez jeter l'enfant de Zomobène parce que mon père est mort. Bande d'abrutis sans condiments. Autant que vous êtes. Les moribonds qui font l'émission de élite machin, truc de merde là. Vous appelez qui bordel? Les bordels que vous avez dans vos maisons, qui couchent aller-retour. Les putes que vous épousez au Cameroun. Des bordels sans condiments. Des bordels aller-retour. Vous venez vous asseoir, vous insultez Zomobène. Vous m'insultez. Abîme feuilleté. J'ai l'intelligence suprême. Vous venez m'insulter. Vos femmes ont déjà fait le salon du livre de Paris. Je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai dit que je vais vous répondre. Hein. Autant que vous êtes. Si quelqu'un fait encore une émission, il parle d'influenceuse, je vais le déshabiller. Je ne m'amuse pas. Qu'un autre individu, un enculé, un enfoiré, un fils d'une pute camerounaise, fait encore une émission sur les influenceuses, c'est moi qui vous réponds. Ça suffit. Vous n'allez pas escroquer le Cameroun, faire les détournements et vous allez vous cacher derrière les influenceuses. On connaît vos méthodes. Vous êtes déjà en train de faire du faux là, vous allez vous cacher. Ce sont les influenceuses qui ont fait quoi? Les influenceuses ont fait quoi? Depuis que vous êtes en train de faire tout et n'importe quoi pour détruire tout le beau travail que le président de la République fait, on fait les routes, vous dites qu'il n'y a pas les routes. Ce sont les influenceuses qui disent ça. Vous êtes en train de dénigrer le Cameroun partout. Vous n'allez pas regarder les matchs de la CAN. Vous ne valorisez pas votre pays. Vous ne portez pas les maillots pour dire qu'il y a la CAN dans votre pays. Ce que d'autres pays auraient voulu avoir et valoriser. Vous êtes là, vous venez parler des influenceuses. Vous n'avez pas honte. C'est la femme qui est recalée comme ça, que vous parlez d'une femme intelligente. Vous me classez dans les influenceuses du sexe. Donc la femme camerounaise, toute sa vie, se résume au sexe. Il n'y a plus l'intelligence. Et vous, vous voulez qu'on dise que vous êtes intelligent. Mais vous êtes des trous du cul. Autant que vous êtes. Des professeurs aux trous du cul. Des enculés. Vous vous enculez entre vous. Vous croyez qu'on va vous respecter? Vous ne respectez pas la femme, vous croyez que la femme va vous respecter? Vous attaquez une intellectuelle comme moi, et vous croyez que je vais être tendre avec vous? Des avortons sans condiments comme vous? Que j'entende encore un fils d'une pute camerounaise parler des influenceuses, je vais vous répondre. Mais ça suffit. Vous commentez, elle a dit la terre est sale. Qui est elle? Je suis une intellectuelle, auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Vous appelez qui elle? Je ressemble aux filles que vous draguez dans les bars de vos radars. Je ressemble à ces prostituées. Vous appelez qui prostituée? Vous devez nous différencier quand vous parlez de nous. Vous ne me classez pas comme influenceuse du sexe. Parce que depuis que vous faites les partout au Cameroun, vous ne m'avez pas vu là-dedans. Mindy m'a bien été. C'est quoi ce manque de respect? Vous croyez que vous allez insulter les enfants de Zomobène parce qu'il est mort? On va vous laisser. Des couillons comme vous. Couillons sans condiment. Couillons sans mesep. Couillons sans dansant. Nous tous, on a la gueule. Hein? Votre petite tchotchori que vous faites là. Nous tous, on a la gueule. Quand quelqu'un tente encore, je vais vous déshabiller. Je vais vous déshabiller. Moi, je ne m'amuse pas. Hein. Votre petite, comme vous parlez aux femmes là, je ne suis pas dedans. Maman dit, bon, été. Je ne suis pas dedans. Un Camerounais ne peut pas me parler n'importe comment. J'ai déjà fait mes preuves. Et je ne couche pas avec vous. Un Camerounais ne me parle pas n'importe comment. Respectons-nous. Je fais partie des Camerounaises qu'on doit respecter. Respectez-moi, je vais vous respecter. C'est la dernière fois. J'ai dit, c'est la dernière fois. Quand vous faites des émissions, vous m'associez dedans comme influenceuse du sexe. Vous êtes des hommes cocus. Vos femmes vous trompent aller-retour avec les vendeurs de soya. Vous venez citer qui que est influenceuse du sexe. Vous êtes les qui? N'importe quoi.
Mais il va s'asseoir avec des couilles ramollies, il fait les discours, il fait l'intéressant, avec la tête comme le trapèze. Il faut voir le visage. Un visage tuméfié, on dirait qu'il est tombé dans l'huile. La beauté même te manque, même l'élégance. D'abord, il s'exprime comme un raton laveur. Je ne parle pas alors de l'autre qui a les yeux qui circulent dans la tête. On dirait le Paris-Dakar. Des idiots. Vous croyez que quoi? Depuis que vous insultez les femmes au Cameroun, ben ça suffit. Vous allez à la télévision faire le Congoussa dans vos boîtes de sardines de télévision. Les moribonds, les petits jeunes moribonds là, qui font, ils n'ont même pas fait l'école de journalisme, ils se font enculer, ils parlent aux femmes. Mais je ris quand je vous vois faire. Hein. Vous mettez mon nom dedans, vous m'ignorez. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Vous ne respectez pas la femme camerounaise, c'est sur quelle base? Vous ne me connaissez pas? Vous ne connaissez pas l'auteur de mes jours? Vous ne connaissez pas mon père? Vous insultez sa fille? Si mon père était en vie, vous pouvez me parler. Quelqu'un a les yeux qui font le tour dans la tête comme le Paris-Dakar. Il va aussi s'asseoir. Il insulte Aline Zombem. Bilan. Regardez-moi les choses. Quand on vous voit, on sait à quoi ressemblent vos couilles. Il vous faut le bois bandé. Vous bandez. Vous bandez, vous là. Les moribonds qui font l'émission là, vous bandez. Vous avez besoin du bois bandé. C'est pour vous aider. Vous n'arrivez même pas à faire jouir les femmes. La dernière fois que vous l'avez fait, c'était quand vous étiez des étudiants. Vous arrivez à faire jouir une Camerounaise. N'importe quoi. Si quelqu'un tente encore, je le déshabille. Je ne m'amuse pas avec vous. C'est ce que je voulais vous dire. Que vous avez réveillé la lionne. Je ne suis pas dans vos conneries. Depuis que vous couchez avec les femmes au Cameroun, vous ne m'avez pas vu. Partagez-moi massivement ce direct. Comment? Des imberbes sans que. Vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de barbe, vous n'êtes pas viril, vous venez parler aux femmes. Qui peut coucher avec vous? Des mauviettes comme vous. Quand je vous regarde, je sens qu'il n'y a plus de couilles. Il vous faut le bois bandé. Vous ne bandez pas. Tu peux donner un coup à une femme? Des moribonds comme vous, comme ça là. Vous allez vous asseoir pour parler de qui? Attends. Attends quand même. Vous pouvez me draguer si vous me croisez dans la rue. La classe intellectuelle qu'il y avait au Cameroun, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes les intellectuels du dimanche. Vous êtes les intellectuels du dimanche alors. Un intellectuel parle comme un vendeur de soya. Vous dites tout et n'importe quoi. Vous donnez le nom d'influenceuse de sexe. Mais soyez comme sérieux. Influenceuse, ça existe. Dans tous les pays du monde entier, il y a des influenceuses. Celles du Cameroun, ce sont des influenceuses du sexe. Parce que vous ne respectez pas la femme. Je vous oblige à me respecter. Je ne suis pas dans vos connivences. Je ne traite rien avec vous. Vous êtes des abrutis sans couilles. Je ne traite rien avec vous. Je ne traite rien avec vous. J'ai fait mes preuves. Vous ne pouvez pas me traiter d'influenceuse du sexe. Auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Tout ce que j'ai déjà fait, j'ai rencontré les ministres en France, ils me respectent. Et au Cameroun, vous voulez me manquer de respect. Et je vais vous laisser dire ça. Des abrutis, vous portez les vestes évasées de Mokolo. Les vestes de 5000. Vous êtes toujours la plupart mal habillés. C'est la grosse bouche à la télévision des intellectuels du dimanche. Oui, ce sont les influenceuses. Il y a l'autre qui a dit que la terre est sale. Même pas honte. Même pas honte. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Même pas honte. Je tends la main à des sœurs pour leur permettre de vivre un rêve et je deviens une influenceuse du sexe pour cela. Donc, il n'y a plus d'entraide au Cameroun. Vous ne respectez pas la femme camerounaise. Vous me réduisez au sexe. Une femme qui écrit les romans. Une femme qui écrit les romans. Bayebek qui est professeur. Nyamding, vous êtes des professeurs. J'ai écrit les romans. Auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Tous mes romans sont vendus dans les flaques.
Vous allez me classer comme une influenceuse du sexe. Ouais. Et je dois vous laisser dire ça. Ça ne va pas dans vos couilles là. Vous allez respecter la femme quand? C'est pour ça que j'ai décidé de dire que la terre est sale. Parce qu'un professeur qui connaît ce que c'est qu'écrire un roman et qui va s'asseoir dans une télévision avec les fesses trouées pour dire que Aline Jombem est une influenceuse du sexe, toi-même, tu ne veux pas que je te respecte. Je vais te respecter parce que j'ai peur de toi. Vous me respectez, je vais vous respecter. Vous ne me respectez pas, je vais vous chiffonner. Je vais vous parler sale et mal. Parce que je n'ai pas peur de vous. Même avec les mains, je parle avec vous. Des abrutis en masse. Des cons ambulants. Des va-nu-pieds. Des gueux. Vous allez insulter Aline Zomo. Et je vais vous laisser. Vous allez vous asseoir à Vision 4. Club d'élite. Des moribonds. Des couillons. Des va-nu-pieds. Des reptiles. Pour parler des influenceuses. C'est la dernière fois que je vois ça. Je dis, c'est la dernière fois. Si vous répétez ça, je vous éclabousse un par un. Mais soyons quand même sérieux. Et respectez la femme. Vous avez des épouses qui vous trompent en plus. Vous êtes des hommes cocus. Est-ce que vous êtes des hommes? Vos filles, ce sont déjà des prostituées de bas âge. Vous laissez vos prostituées dans vos maisons. Les sœurs sont bordelles depuis l'époque de Tombalbaye. Et vous venez, vous insultez les enfants d'autrui. On doit vous laisser faire ça. Si mon père était en vie. Hé, papa. C'est ta fille que des moribonds, des reptiles insultent. Vous allez insulter les gens quand? Hein? Vous allez insulter les gens quand? À cette hauteur-là, hauteur de 6 romans, 23 nouvelles, vous voulez que vous me manquez de respect? Aïe! Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Vous avez fait ça, peut-être, vous avez déjà fumé le banga. Il faut sécher le banga que vous fumez là. Je ne peux pas laisser. Un Camerounais m'insulte, je l'insulte. Si c'est le français, on va parler le français là. Les professeurs du dimanche, avec les diplômes du dimanche. Pardon. Vous ne respectez pas la femme, hein? Les Camerounais, qu'est-ce qui vous arrive? Ceux qui ont respecté les femmes sont déjà morts. La génération d'aujourd'hui, la femme, vous la traitez comme vous voulez. Influenceuse du sexe, prostituée. Alors que vous gardez les bordels chez vous. Vos épouses, ce sont des bordels, non? Les enfants ressemblent aux voisins. Vos enfants ressemblent à vos voisins et vous appelez les enfants de truie, bordel. Merde alors. Merde aller-retour. Comment? Merde. Une femme de 54 ans comme moi, vous m'appelez bordel? Alors que vous élevez les bordels chez vous, vos épouses, ce sont des bordels. Vous avez vos bordels dans les maisons qui vous trompent tous les jours. Vous ne les insultez pas. Vous venez insulter l'enfant de Zomoubem. Vous ignorez qui était mon père. Quand vous faites là depuis, vous ne connaissez pas qui était l'auteur de mes jours. La terre est sale. Vous ignorez qui était l'auteur de mes jours? Hein? Vous ignorez qui était l'auteur de mes jours? Vous venez m'insulter? Vous ne pouvez pas faire que quand vous faites vos conneries, là, si vous me voyez dans un groupe, vous vous taisez. Insultez les femmes comme vous voulez, mais moi, on ne m'insulte pas. Moi, je n'accepte pas le mépris là. À 54 ans, aucun homme ne peut m'insulter. J'ai déjà fait les preuves. Je suis comme un homme. Ce que vous faites, je fais. Ce qu'un homme fait, je fais exactement la même chose. Aucun homme ne peut m'insulter.
Aucun homme ne peut me manquer de respect. Parce que moi, j'ai fait mes preuves. Je ne suis pas cette fille fragile, cette fille vulgaire, cette fille à qui vous dites tout et n'importe quoi. Moi, on me respecte. Moi, on me respecte. D'accord? Moi, je suis une femme qu'on doit respecter. Je vous l'impose. Vous avez l'obligation de me respecter. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Qu'un moribond va aller se lever, il va s'asseoir à la télévision avec la veste évasée, 4000 francs de mon colo, il fume, je ne sais pas quoi, avec les yeux comme les phares du bateau, il commence à parler de moi. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Je vous parle droit dans les yeux. Je ne suis pas dedans. Parlez au bordel. Vous ne pouvez pas me traiter de bordel. Depuis que vous couillez les femmes au Cameroun, vous ne m'avez jamais vu. Vous faites les partout au Cameroun, vous ne m'avez jamais vu. Vous m'avez vu nue, je suis une belle femme. C'est ma qualité qu'on dit que voilà une belle femme. J'ai des atouts. Vous avez vu, puisque vous aimez voir les autres nus. On dirait que quand vous faites l'amour habillé. Et vous commentez mes vidéos, mes photos. Une histoire de 2017 où un chanteur du vieil bordel qui chante le bikutsi, qui ne sait pas chanter, avait des fesses ramollies, des fesses dures comme les palmistes. Elle est jalouse parce qu'elle n'a pas été invitée à la Cannes. Elle commence à téléphoner par-ci, par-là. Elle va prendre mes photos de 2017, elle publie. Et des enculés comme vous, vous commentez cela. Un vieil bordel qui a déjà raté sa vie. Une coyote. Elle est sèche comme le kirishi. La honte même ne lui traverse même plus l'esprit. Tellement elle vit de forfait en forfait. Jalousie maladive. Et ça ne lui a jamais rien rapporté. Elle se permet d'envoyer mes photos dans tout le Cameroun. Et quoi qu'elle en cachette. Ça n'a même pas duré 2 heures de temps qu'elle était déjà mise en nu. Tout le monde l'a vu appeler. Tout le monde a vu comment elle se démène pour appeler. Il ne faut pas qu'elle reste là. Quand vous appelez pour que nous ne sommes pas à la canne, qu'est-ce qui va arriver? Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est mal comporté. Personne ne s'est mal comporté. Nous vivons en Europe. Nous ne sommes pas des villageoises. Hein? Moi, je ne suis pas une villageoise. Hein? J'ai la chance d'avoir 2 cultures. Je suis née en France. Et je suis d'origine camerounaise. Et d'ailleurs, très fière. Je l'ai toujours dit haut et fort. Avant que les patriotes ne naissent, ça et là. À l'île Zomoubem, je défendais déjà le Cameroun. Avec des arguments forts. J'ai toujours défendu le Cameroun. Et vous ne devez pas me manquer de respect. Je n'accepte pas ça. Respectez la femme. Je défends la femme. Sans être féministe, je ne tolère aucune incartade quand on parle de la femme. Une intellectuelle comme moi. Vous avez parlé de moi dans les télévisions. Ça ne va pas dans vos têtes. Une tête de linotte. Vous avez vos filles qui sont déjà en train de faire la prostitution chez vous. Vos femmes vous trompent aller-retour. Elles font les enfants avec les voisins. Et c'est d'Aline Zomo que vous venez parler. Ça ne va pas. Je tenais à le dire. Ça fait des jours que vous parlez de moi dans les télévisions. Les télévisions que vous faites là, vous montez, vous descendez, ce sont mes origines. Mon père a été parmi les premiers journalistes du Cameroun à donner la bonne information. Pas les farfelus qui sont à Vision Club d'élite. Des moribonds, des reptiles. Ça ne veut même pas faire le travail. Quelle est cette émission? Le Congo, ça dit quoi? Vous ridiculisez tous les investissements que mon grand frère a fait. Comment vous pouvez avoir une émission, vous dites que le Congo, ça dit quoi? Des journalistes? Mais vous êtes la risée. Changez-moi cette émission. Comment les journalistes font le Congo, ça? Vous faites des commentaires comme si vous travaillez au quartier. Quelle humiliation pour le prix qu'on vous paye. Pour la somme que vous touchez pour travailler dans des beaux locaux comme ça, vous dites que le Congo ça du jour. Quelle humiliation! Le Congo ça du jour en télévision,
La terre est sale. Non, quand je vous entends dire le Congo ça du jour, vous avez vu qui fait la télévision comme vous faites là. On ne dit pas le Congo ça du jour en télévision. Utilisez quand même les termes adéquats. Si vous êtes allé à l'école, trouvez les mots justes, les mots qu'il faut. Le Congo ça du jour en télévision. C'est quelle humiliation ça. Pour ce qu'on vous paye. Je vais vous laisser. J'ai fini. Attendez, mon téléphone sonne. Comment? Quand ils vont faire ça en gueule, le Congo ça du jour. Merde alors. Ils disent que le Congo ça du jour. En télévision. Avec tous ces investissements-là, pour faire le Congo ça du jour. Quelle humiliation. Et je vais demander aux Camerounais de ne plus me téléphoner. Aka. Ouais, mon chéri aussi. Il me fait rire. C'est nul. C'est nul. Le Congo ça du jour. Qu'est-ce que tu m'envoies? Où sont tes lunettes? C'est quoi? Je regarde la télé. Et tu regardes la télé sans tes lunettes? Tu as des petits yeux comme un siamois. Mets tes lunettes, chérie. Tu regardes quoi la télé? C'est quel maillot de bain que tu m'envoies comme ça? Je suis mort de rire. Tu vas dormir là? Hein? C'est quoi, tu as froid? Hein? Tu as froid? Ok, douce nuit alors. À demain. Bisous, bisous, bonne nuit, chérie. Alors, j'étais en train de dire que j'ai toujours été très, très sensible quand je vois des femmes qui souffrent. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour rendre... Parce que les Camerounaises souffrent. La vérité, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Les Camerounaises en particulier. Et ça m'a toujours dérangé. Et je m'étais dit un jour, si j'ai une occasion pour... si je pouvais rendre une Camerounaise heureuse, ça me ferait plaisir. C'est comme ça que je... Bonjour. Je suis en direct. Des bordels qui appellent. Les bordels. Alors, j'étais en train de dire que j'ai toujours voulu rendre une personne heureuse. C'est une éducation, oui. Tendre la main. Tendre la main pour moi, c'est très important parce que les Camerounaises souffrent beaucoup. Et un jour, par intuition, j'ai une conversation avec ma petite sœur que j'aime beaucoup. On s'apprécie en tout cas. Je dis, ça fera plaisir qu'on ait deux Camerounaises. Elle me dit, c'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée. J'ai dit deux Camerounaises, on prend une fille Bamileke pour apaiser le tribalisme ambiant. Les Camerounais ne s'apprécient plus. Il y a une guéguerre entre les Bétis et les Bamileke. Si on fait ça,
ça va atténuer le tribalisme. Je croyais bien faire. Quand je lis tout ce que vous faites aujourd'hui, vous écrivez, vous faites les vidéos, je me dis, mais, donc vous n'avez pas compris. Comment il y a encore des discussions aujourd'hui parce que j'ai amené Lolo Fodia? Je croyais que ça allait atténuer le tribalisme pour vous montrer que les Camerounais s'aiment. Hein? Maintenant, je revois les vidéos, vous recommencez le débat à zéro. Donc, on n'a pas avancé. Pourtant, je croyais que ça allait marquer le coup. Vous avez la tête où? Vos cerveaux sont où? Quand vous marchez, vous sortez le matin, est-ce que vous sortez vraiment avec vos cerveaux? Les Camerounais, vous êtes des ignorants, hein? Il y a beaucoup d'ignorants, hein? On fait une belle chose. Vous êtes toujours en train de dénigrer. La veuve joyeuse, qui est restée très jeune veuve, vous ne pensez pas qu'elle a besoin de soutien? Vous n'avez jamais pensé que vous pouvez lui rendre un service? Oh là là. Coucou ma chérie, tu m'écoutes? Allô? Comment vas-tu? Tu m'écoutes? Je suis en direct, je n'ai pas fini. On en discute demain alors, je suis en direct. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'ai déjà fait ma part de travail. Elle va me noyer. Je ne peux pas discuter avec elle. Tu sais, elle n'a pas la même compréhension que nous autres. Voilà. Elle ne m'a pas retourné le cerveau. Dans chaque famille, il y a des personnes qu'on veut joyeuses. Moi, je vous demande d'être indulgente envers elle. Des fois, elle a des agissements. J'arrive pas à contrôler ça parce que je n'ai pas envie aussi qu'elle se mette à me dire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je reste muette. Si j'étais convaincue qu'elle est comme moi, que je lui aurais dit ce que je pense, quand j'ai vu qu'elle s'est papillée en engueulade, je n'arrivais pas à arrêter ça. Et j'étais choquée, j'ai dit, mais des amis d'enfance, qu'est-ce qui n'a pas marché? De toutes les façons, on en parle après. Je suis en direct. Je te souhaite une belle nuit. Bien sûr. Merci, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Bisous, ma belle. À demain. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai une belle idée de rendre deux Camerounaises heureuses de la diaspora. Et aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Quand ça se passe comme ça, moi, je n'ai plus rien à dire. Parce que la vérité, c'est moi qui la détiens. C'est moi qui détiens la vérité. Je ne peux pas partir avec Lolo de la France et c'est seulement à l'aéroport que je la lâche. J'ai quand même donné ma parole. J'ai tout fait pour voyager avec elle. Et c'est l'aéroport où je vais la laisser. Je suis déjà sortie de l'aéroport une heure de temps. Je ne les vois pas arriver. Moi, je vais les attendre. Pourquoi? On connaît tous le Cameroun, non? Nous toutes, nous connaissons le Cameroun. Et on avait déjà, chacune savait où nous allons loger. Je l'ai attendu ou pas, on devait se retrouver à l'hôtel. On devait se retrouver à l'hôtel. Il fallait tout prix que j'ai une heure de temps, je suis dehors. Avec tous les bandits qui sont à Yaoundé là, qui sont à l'aéroport, ils te guettent. Moins de reste, ils peuvent te couper, le bras, ils vont couper. J'étais déjà restée dehors une heure. Et j'ai décidé de partir.
Moi, je n'attends pas les gens. Hein. Je n'attends pas les gens. Ce n'est pas que je déteste quelqu'un. Moi, je n'attends pas les gens. Pourquoi que... C'est vrai que moi, des gens m'ont reconnu à l'aéroport. Ils sont sortis trop tôt. Mais je ne peux pas attendre une personne une heure. On avait déjà un point de repère où on devait se voir. On avait un point de repère où on devait se voir. Pourquoi je dois l'attendre? Réfléchissez quand même. Si quelqu'un te donne rendez-vous quelque part, même si vous ne montez pas dans la même voiture, vous allez vous retrouver là où vous êtes, vous allez dormir. Et je suis arrivée là, je vois deux personnes qui ont dit qu'elles étaient amies. Elles ont commencé à se chiffonner, à se fâcher. Je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qu'elles n'ont pas compris dans ce que j'avais initié comme projet pour nous rassembler, pour montrer qu'on s'aimait. J'étais entre le marteau et l'enclume. Il n'y a pas une que j'arrivais à calmer. Vous n'allez pas trop nous demander. Ne me demandez pas trop. Ce que j'ai fait, qui a déjà fait ça? Même seulement ça, vous ne pouvez pas laisser le tribalisme. Si tu voyages avec quelqu'un et tu ne trouves pas la personne, prends un taxi, tu me retrouves au lieu dit. On devait se retrouver à l'hôtel, non? Moi, je vais rester dehors à attendre. J'attends qui? Vous ne me respectez pas. Aline, hein? Moi, j'attends les gens. Hein? Donc, moi, je suis dehors pour attendre les gens. Je suis né chef. Hein? Je n'attends pas les gens. C'est moi qu'on attend. Est-ce que ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est moi qu'on attend. Moi, je n'attends pas les gens. Vous allez faire de vos vies ce que vous voulez. Moi, je n'attends pas les gens. Sans détester quelqu'un. J'avais déjà fait le gros du travail. Je donne ma parole. J'hypothèque mes numéros. Ce n'est pas beaucoup. Et on s'est retrouvés. Pourquoi vous dramatisez tout? Moi, c'est pour ça que je n'aime pas traiter avec les gens. Et que j'aime toujours dire que l'école est bien. Parce que si vous allez à l'école, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu vas à l'école, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand quelqu'un t'amène quelque part, tu regardes la personne qui t'amène. Tu ne fais pas comme si tu es dans un poulailler. Tu regardes la personne qui t'a amené, tu vois comment la personne se comporte, elle s'assoit, tu t'assois, elle se lève, tu te lèves, elle va, tu la suis. Tu ne fais pas ta tête. Et les gens qui m'appellent pour me dire, il faut parler à la veuve. Je vais dire quoi la veuve? La veuve est majeure. Veuve est majeure. Elle fait ce qu'elle veut. C'est comme quelqu'un va me dire que conseil Lolo, c'est des majeurs. Elles ont toujours vécu leur vie. On s'est retrouvés pour une circonstance. Moi, je n'ai pas envie de détailler le voyage qu'on a fait. Parce que le voyage là, il est très beau. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont mourir sans faire cette catégorie de voyage. Disons-nous les vérités. Vous allez tous mourir là. Sans avoir cette chance. Et nous, on a eu cette chance. J'ai été l'instigatrice. J'ai ouvert la porte. Je souhaite que d'autres Camerounaises fassent la même chose. Il n'y a plus de débat dans ce que nous avons vécu. Que d'autres Camerounaises fassent aussi et qu'on nous aussi, on vienne commenter. Vous allez parler de ce truc-là pendant des mois. Moi, je n'ai pas envie de débattre ça. C'est que je connais la vérité. Mais je n'ai pas à m'expliquer. Je dis qu'on est chanceuse. Je suis chanceuse d'avoir vécu ça. Je suis chanceuse d'avoir permis à mes soeurs de vivre ça.
Je ne peux pas rentrer dans les discussions inutiles, les débats puérils pour dire qu'on avait fait ci, on avait fait ça. Moi, je dis, j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu ça à ce niveau. Pendant qu'on était sur Internet, vous voulez me mélanger avec vous. Je me suis démarqué, j'ai les numéros et je peux permettre à des personnes de vivre ça. Je suis fière. Je ne parlerai jamais de mon voyage. Il était trop beau. Je n'ai pas envie de vous rendre jalouse. Il était trop beau. Vous n'allez pas vivre ça un jour. C'était trop fort. Trop beau. Je vous dis à vous tous que l'école est importante. Vous venez sur Internet, vous parlez n'importe comment aux gens. Pas de respect, vous ne prenez pas des gants, vous comportez comme si vous êtes dans la cour du roi Péto, c'est n'importe qui donne son avis, vous voulez imposer aux gens de vous dire des choses, alors que vous-même, vous n'allez pas vous laver. Moi, j'étais Lolo, je ne venais pas donner les détails de mon voyage. Je ne vois pas l'intérêt. Vous avez payé son billet d'avion. C'est vous qui avez payé son billet d'avion. C'est vous qui l'avez logé. Elle venait vous donner les détails de son voyage, pourquoi? Moi, je ne parle pas de mon voyage. Parce que je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien. Je remercie tout ce qui m'apprécie. Laissez la veuve joyeuse tranquille. Qu'elle vive sa vie, elle s'épanouit. Je vois qu'elle est très contente. Elle a vécu quelque chose de spécial. On en reste là. Pareil pour Lolo Fodia. Elles ont vécu des choses incroyables. Ça reste dans leur subconscient. Elles vont toujours se rappeler. C'était ça le but. Et apaiser le tribalisme. Le but aussi, c'était d'apaiser le tribalisme. Qui ait plus les querelles entre les petits et les bamilékés, ça suffit. Mais je vois que faut continuer avec les querelles. Vous voulez que je chante Sombok, hein? Je vais vous mettre Sombok. Nous allons conclure avec Sombok. Je ne suis pas manipulable, d'accord? Je ne suis pas manipulable. Et j'ai une personnalité. Je sais qui je suis. Ce que je vaux. Je ne suis pas dans les bêtises. Et je me respecte. Merci pour les cœurs, merci. Jean-Pierre Moukbelinga, le pape des médias.
Merci. Merci. Le grumier du Bikusi. Merci pour les cœurs. Vous dites qu'en tant que grande sœur, que je mette la paix entre les deux. De quoi je me mêle? Ma vie, moi je suis concentrée dans ma vie. Déjà, il faut que je m'occupe de moi-même. Il faut que je m'occupe de mon appartement. Je dois m'occuper de mon gars. Je dois bien manger. Il faut croire que j'ai encore le temps d'aller m'occuper de la vie des autres. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai dit qu'elles sont responsables, c'est des adultes. Elles vont trouver le bon filon pour se rabibocher. Mais je n'ai pas le temps de quitter encore ma maison et aller parler des choses qui ne me regardent pas. Parce que moi-même, je traite mes dossiers. On vit aussi avec les têtes de mort, non, laissez les têtes de mort. Donc, les petits abrutis qui travaillent à Equinox, les plus laids journalistes du Cameroun sont chez Equinox. Des couillons. Un petit moribond qui a les yeux à facettes là, comme s'il est tombé dans l'huile rouge. Genoufeleng, coupeleng, ta ta ta. Ce moribond. C'est-à-dire, la terre est sale. C'est-à-dire, quand je regarde les petits couillons qui travaillent à Equinox avec des petites couilles, je suis morte de rire. C'est-à-dire, n'importe quel homme, les hommes croient que comme ils ont la bite, ils peuvent parler n'importe comment aux femmes. Regarde-moi des abrutis comme ça, là. Ils font de la télévision sans intelligence. Allez s'asseoir pour parler de quoi? Les petits couillons qui travaillent à Equinox. C'est-à-dire, des hommes sont
Des hommes aux pantalons troués. La nuit s'est trouée. Elles vont parler des femmes. C'est-à-dire, quand tu regardes les femmes qui peuvent sortir avec la qualité d'hommes là, des idiotes, les filles toc-toc, les filles autistes. C'est-à-dire, les gars qui travaillent à Equinox, ils sortent avec des folles. Les filles qui sont toc-toc là dans les quartiers, que le cerveau est retourné, il n'y a plus les boulons. Les filles qui sont un peu bêtes là, qui, les oui-oui, on trompe la qualité des filles avec les biscuits parlants. Que les machins d'Equinox là, vous pouvez sortir avec les vraies femmes. C'est vous qui donnez les biscuits par l'enfant fille. Vous allez tromper les pubères. Vous allez tromper les petites filles des collèges, des journalistes, des cancres qui travaillent à Equinox. Ça ne veut même pas faire des analyses. C'est-à-dire, on est parti prendre les cousins au village, ils étaient en train de vendre de l'huile, ils vendaient les beignets. On leur a dit, bon, j'ai la télévision, venons aussi travailler. Le temps d'enlever les chics, on a fini d'enlever les chics, le temps d'enlever les odeurs, les... Ce sont ces machins qui travaillent avec Equinox. Marc Kellan, Canal 2. Canal 2, lui, va carrément prendre les pêcheurs dans son village. Les gars sont à la pêche avec les pieds palmés. Il va les prendre là-bas. Il les lave avec l'eau de Javel. On amène les couillons à Douala. Ils ne sont jamais arrivés à Douala. Ils viennent travailler à la télévision. C'est ça que vous nous présentez. Les moribonds qui travaillent à Canal 2 et Equinox. Ça veut dire, tu te dis, la terre est sale. Des chicards. Ils ont les pattes palmées avec les chics. Des pêcheurs qu'on va prendre au village. Pour venir travailler à la télévision. Le temps que ça monte au cerveau, qui sait qui vivait déjà en ville. Quand ils vont travailler, ils ont les coulbas, les habits du champ. C'est vous qui parlez des femmes. C'est vous qui parlez des femmes. C'est-à-dire les Camerounais, vous ne respectez pas la femme. Hein. Je suis choquée quand je vois faire ça. La quasi-totalité, vous êtes des laits. Tout vous manque. Vous n'avez pas la bite, vous n'avez même pas l'allure, vous avez les pattes palmées, les chics sont aux pieds, la tête est tordue. On dirait la tête de la hache. On colle votre moitié. Et vous voulez parler de la femme camerounaise. Vous parlez de la femme camerounaise au rapé. Vous croyez que vous êtes les qui? Vous allez vous asseoir. Vous avez besoin du bois bandé. Parce qu'avec vos petites couilles là, il faut réactiver ça. Vous n'avez jamais bien baisé avant, ni aujourd'hui, ni demain. Vous parlez des femmes. Vous croyez que les femmes regardent votre qualité? Les femmes que vous cherchez, c'est à partir de minuit. Les femmes qui aiment les biscuits parlants. Est-ce que toi, vos machins, les couillons qui travaillent à Equinox? Je vous parle au nom de tous les Camerounais. Parce qu'on en a marre de vous. Vous insultez beaucoup les Camerounais, vous ne nous respectez pas. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne peux pas accepter que des reptiles qui travaillent à Equinox, qui travaillent à Canal 2, qui travaillent au club d'élite me parlent. Je ne peux pas accepter ça. Respecter la femme. Des moribonds. C'est vous qui draguez les filles avec les biscuits parlants. Vous parlez à une vraie femme comme moi. Vous pouvez me donner quoi? Vous parlez de moi, vous appelez qui? Influenceuse du sexe. Répétez à Costa, si vous avez des couilles, je vais vous déshabiller depuis la France. Je vous déshabille un par un. Des gars qui n'ont jamais mangé un bon plat de riz avec un bon morceau de nourriture, vous mangez, ça dit vous vivez, ça me fait pitié. Hein. C'est vous qui, les petits journalistes. On vous appelle journaliste parce que le vocabulaire vous manque. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des cancres, des reptiles, des margouillas. Je voulais vous donner mon côté obscur parce que je n'ai pas peur de vous.
Vous me parlez parce que mon père n'est plus vivant. Si mon père était là, il allait vous laver des sales couillons comme vous. Ça, vous ignorez mon père. Vous croyez que vous êtes plus Camerounais que qui? Vous allez vous asseoir. C'est vous qui devez profiter du pays. Parce que vous êtes les quoi? Vous êtes les qui? Des voyous. Des braqueurs. Quelqu'un finit de braquer au quartier et son frère l'invite que viens alors travailler à la télévision. Le français sort par morceaux. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je dois aller me reposer. Il y a beaucoup de choses à faire. J'étais en train de vous dire que cherchez à faire du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous. Ne mourrez pas sans faire du bien. Vous avez trop la haine, vous les Camerounais. Que ce sont les femmes qui ont appelé dans tous les services du Cameroun pour dire que nous ne devons pas rester au Cameroun. Les femmes. J'ai amené Lolo Foudia et les Bamileke. Nous ne voulons plus le tribalisme. J'ai amené la veuve joyeuse. Elle est du Dieu et l'homme. Ce sont des femmes qui ont besoin de lumière. Ce sont des femmes. Il faut leur donner envie de vivre. Il faut qu'elles vivent un rêve. Ça va leur permettre d'amorcer la vie avec fierté. C'est ce que je voulais. Un journaliste, il parle le français, ça sort par morceaux. Et il dit qu'il travaille à Equinox. L'autre dit que je suis à Canal 2, des moribonds. Les autres font le Congo, ça, à Club d'élite. On aime ça. Qu'est-ce que le Congo, ça dit? Hey! À la télévision. Le Congo, ça dit jour. Hey! Ils draguent les filles, même ils disent qu'elles sont. Et les gars, là, même draguent les filles, disent qu'ils sont des journalistes. Et les filles vont aller sortir avec eux. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Allez regarder les matchs à la CAN. Ne regardez pas la CAN à la maison. Allez au stade. Payez les tickets. Allez renflouer le stade. Allez valoriser le Cameroun. Crier la CAN est sucrée, la CAN est sucrée. Vous restez chez vous. Je vais vous laisser. Il y a ma nièce là. Il y a ma nièce qui est parmi vous. Je vais avoir 54 ans. Et ma fille, il y a ma fille qui est en train de parler. La paix du Sud. Il y a ma fille qui est là, la paix du Sud, elle est en train de mettre l'ordre. Je vais avoir 54 ans le 20 janvier. Envoyez-moi les cadeaux. Vous allez dire que j'ai déjà beaucoup d'argent. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux à la maman. Je vais avoir 54 ans. C'est normal. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux à la maman. Je vais avoir 54 ans. Vous, vous êtes là, vous jugez les gens. Je suis une intellectuelle émancipée. Moi, voilà, je suis déjà montée dans mon canapé, non? Avec les chaussures. Vous allez me juger que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pisse sur vous à grosse goutte. Vous êtes qui? Une femme de 54 ans, si je suis déjà le fer étendu, vous croyez que je vais me relever à cause de vous? Vous êtes qui? On ne vit qu'une fois.
ne vit qu'une fois. Vous entendez ça? On ne vit qu'une fois. Je vais écrire un livre. Je suis inspirée. Je vais écrire prochainement un livre. Il faut que je recommence à écrire. Parce que n'importe qui parle déjà. Et le titre, La Terre est sale, peut donner. Je peux développer ça même dans 4 livres. La Terre est sale. Quand je vois comment vous vous comportez, la Terre est sale. Que tu vois des papas, ils vont s'asseoir pour parler à une femme comme moi. Avec des petites couilles comme ça. C'est comme si tu vas éclater leurs couilles comme ça. Que professeur Nge, Mba, professeur de mes couilles, quoi. Le même professeur qui est ici dehors. Un professeur, il demande que les filles qu'on a invitées, leur CV, c'est quoi? Ils se mettent seulement à insulter, alors qu'il y a une intellectuelle dans le groupe. Ils commencent seulement à insulter, alors qu'une intellectuelle est dans les groupes. Une intellectuelle comme moi, vous allez me respecter pour quand? Quand je vais aussi vous insulter, bande de cons, des cons ambulants, des cons sans condiments. Vous croyez qu'on a peur de vous? Je vous laisse. Des petites couilles comme ça. Comme si tu vas tuer les poux. Des hommes qu'on trompe. Vous êtes cocus. La plupart d'entre vous, les Camerounais, vous êtes cocus. Les femmes vous trompent. Une femme finit de te tromper là-bas. Tu viens insulter la femme de trouver qu'elle est. Elle est influenceuse du sexe. Aïe. Répétez encore ça. Je vais vous confirmer le code. Bande de cons. Je vous laisse. Bonne nuit. À demain. Ma fille est fâchée. Quand est-ce qu'on vous a invité? Les Camerounais cherchent où faire le Congo ça. Equinox, c'est des cons. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Equinox, Canal 2, c'est des télévisions de merde.